Comme pour de nombreuses planètes durant cette période troublée qu'est la guerre des clones, la planète Kashyyyk dut faire un choix, rejoindre le camp des séparatistes ou celui de la République. Et c'est au roi Grak Shawa que revient cette décision. Cependant, le général Grievous étant un poil pressé, il ordonne à ses subalternes d'envoyer des droïdes sondes sur la planète. Malheureusement pour la CSI, le jeune prince Graka, héritier du roi Grak Shawa, se fait tuer par les droïdes sondes lors d'un accident. Très rapidement, les Wookiees s'en rendent compte et le roi est averti de la triste nouvelle. Il n'en fallait pas plus pour déclencher une guerre, le roi prend donc la décision de se joindre à la République. Kashyyyk représente une place importante dans la galaxie, il est donc important de la contrôler puisqu'elle donne un point d'accès rapide vers les mondes du noyau. De plus, les Wookiees détiennent depuis longtemps maintenant des voies hyperspatiales encore inconnues, mais ces derniers refusent de les divulguer à qui que ce soit. Cette décision étant prise, les séparatistes lancèrent un premier assaut avec l'aide des Trandoshan, rivaux éternels des Wookiees. Ce premier assaut se solda par la capture d'un chef Wookiee nommé Tarful. L'escouade de clones commando Delta, dirigée par leur leader Boss, fut donc envoyée sur la planète pour libérer le chef Wookiee, mais aussi pour confirmer l'alliance des mercenaires Trandoshan et des séparatistes. Pour stopper l'avancée des troupes ennemies, l'escouade Delta fut amenée à détruire un pont reliant deux points importants de la ville de Kashiro. La dernière opération de l'escouade sur la planète fut de détruire un vaisseau séparatiste en approche, ce qu'ils réussirent à faire. Mais chaque victoire a un coût, et cette fois-ci c'est le clone commando Sev qui dut le payer et ce certainement au prix de sa vie. Mais toutefois, ce clone fut placé sur la liste des soldats disparus en mission. Malgré cette perte, la mission confiée à l'escouade Delta fut une réussite totale et les Wookiees pourraient encore tenir quelques temps, le temps que les troupes républicaines arrivent. La bataille finale pour Kashyyyk allait donc enfin pouvoir commencer. Du côté républicain, on notera la présence d'un nombre important de Jedi, puisque les troupes furent menées au combat par Maître Yoda, Quinlan Vos, Eten Turmukan, Luminara Unduli mais encore Tsu Choi, qu'on peut voir très brièvement sur certains plans du film. De manière générale, les soldats clones provenaient en grande majorité de la 41e Légion menée par le commandant Gris, et on peut aussi noter la présence du commandant Fai répondant au service de Quinlan Vos. Mais certains soldats républicains provenaient également de la Légion la plus connue, la 501e, qui à cette époque-là est envoyée partout dans la galaxie tant ses résultats étaient positifs. Pour finir, au niveau des républicains, les soldats clones étaient évidemment appuyés au combat par un certain nombre de guerriers Wookiees, mais plus étonnant encore, par un régiment de troupes Alina, des soldats de la même espèce que le maître Jedi Tsu Choi. Du côté de la CSI, l'assaut a été brièvement dirigé à ses débuts par le général Grievous, avant de laisser place à un commandant inconnu. Les troupes séparatistes étaient donc constituées de toutes sortes de droïdes de combat, mais également appuyées par des mercenaires Trandoshan ou bien encore par un petit nombre de soldats géonosiens. Mais passons maintenant au déroulement de la bataille. Suite à une embuscade tendue par des droïdes crabes dans laquelle Quinlan et Luminara tombèrent, ils furent secourus de justesse par une vieille connaissance du Jedi, Vilmar Grark. Il s'avéra alors, après explication, que cela faisait maintenant un an que le Dévanorien était l'hôte des Wookiees et qu'il leur permettait de faire passer de nombreuses marchandises en contrebande. Par la suite, un Trandoshan nommé Karnis fut interrogé par Vos, et il apprit ainsi que la cible principale des séparatistes était donc l'archipel Wawat, car le clan habitant ce lieu possédait le secret des voies hyperspatiales cachées. Une fois Maître Yoda arrivé, il se plaça en méditation de combat pour guider ses troupes de la meilleure des manières à travers le champ de bataille. Un front allait donc être créé face à la mer pour stopper le débarquement des séparatistes. Des troupes étaient donc stationnées sur la plage pour attirer les droïdes, tandis que d'autres soldats étaient dissimulés dans les branches des grands arbres du Kashiro, en attendant le bon moment pour surprendre leurs adversaires par le flanc droit, tandis que Maître Luminara lancerait un assaut sur le flanc gauche. De son côté, Quinlan prit part au combat avec à ses côtés les Wookiees Tarful et Chewbacca. De toutes parts, les combats finirent par prendre fin, et enfin la victoire semble proche pour la République, car le général Grievous avait été mis hors d'état de nuire pour de bon. De son côté, Maître Unduli fut donc envoyé auprès des soldats clones pour soigner les blessés, mais malheureusement pour elle, au même instant, l'ordre 66 fut exécuté, et c'est ainsi que les clones qui l'entouraient commencèrent à ouvrir le feu sur elle. N'ayant aucun moyen de se défendre, elle fut rapidement abattue par les soldats qu'elle s'apprêtait à soigner. De leur côté, Maître Yoda et Vos survécurent à l'ordre 66, mais non sans mal. Yoda fut aidé par les Wookiees pour se débarrasser des soldats clones qui s'en prenaient à eux, et Quinlan, bien que très amoché, parvint à éliminer un par un tous les soldats de l'escouade partis à sa recherche. Après cela, les Wookiees furent réduits en esclavage par l'Empire et par les Trandoshan. La majorité d'entre eux furent envoyés sur les gros chantiers impériaux, notamment celui de l'Étoile Noire. Les Wookiees sont toujours considérés comme des alliés des Jedi, certains d'entre eux tentèrent en vain de venir se cacher sur la planète, comme le Maître Jedi Kento Marek. Mais celui-ci fut repéré par les troupes de Vador, et lorsque ce dernier débarqua, Kento fut tué sans grande difficulté par le Seigneur Sith. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, au partage et aux commentaires. Je vous rappelle également que vous pouvez me soutenir sur Tipeee, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao !